Et voilà les amis, c'est parti pour une nouvelle aventure. On vient de passer la frontière du Paraguay. Donc les papiers sont faits, autorisation de véhicule, tout nickel. Donc let's go! Aujourd'hui nous visitons les chutes Monday au Paraguay, donc notre première escale. Donc elles sont vraiment à quelques kilomètres des chutes d'Iguassu et ben, elles ne sont pas fréquentées parce qu'elles sont, on va pas dire moins impressionnantes, mais plus petites. Mais elles font quand même 70 mètres de largeur sur je ne sais plus combien de mètres de hauteur. Et voilà, donc là on s'approche doucement. Donc ça commence gentiment à s'accélérer. Et on va vous filmer ça. Un ascenseur, non, ma chérie. Après. T'as vu où nous emmène l'ascenseur? Ouais, sur la plateforme en bas. Là, on est dans l'ascenseur pour être en bas des chutes. On a failli le rater en plus. Mira los detalles. Los detalles del móvil. Ok. De la cocina. Nous avons la chance de visiter une brigade de pompiers au Paraguay. Donc il y en a trois, Cuida de l'Est, et là on est sur la brigade numéro 2. Donc on est trop contents. C'est le que cuida le capitaine. Ah, capitaine. Soy teniente. Donc il y a même des dortoirs pour les visiteurs comme nous. Tu peux passer une journée ou une nuit. Ici, nous avons une piscine, une vista. Oh!
après la panne d'essence, l'enlisement. Mais ici en Amérique du Sud, il y a toujours quelqu'un pour vous dépanner. Bon, là on est au Paraguay. Eh bien, ça se passe comme au Brésil. Hein. Jamais seul. On avait décidé de se poser là pour la journée parce qu'on trouvait ça très mignon, silencieux, bon, à part les animaux, mais voilà, bon, c'était vraiment charmant. Et ben non, le sol en a décidé autrement. Bye bye. One step forward and another back. I would never try to fool ya. I'm one heartbeat away from going mad. Girl, when you look like that. On s'essaye aux galettes de tapioca. Mais comme on n'a pas la bonne poêle, normalement c'est des toutes petites poêles, mais on va pas racheter une poêle juste pour les galettes de tapioca. Ouais, joli. Allez, hop. Et comme on est gourmand, la première fois on a goûté au Nutella. Donc, on refait les mêmes. Avec un pot de Nutella à 7 euros. Je ne sais même pas combien ça coûte en France. Un pot comme ça, non, c'est pas 7 euros. Enfin, je crois pas. Donc, c'est bon ? Ouais, vas-y, vas-y. C'est vraiment de l'artisanat. Donc en fait, c'est tout bête, mais il faut le coup de main quand même, parce que... Et la bonne poêle. Hein. Et la bonne poêle. Il faut acheter du tapioca prêt à l'emploi et le mettre, voilà, tac, et le mettre directement comme ça dans la poêle. Voilà. Bon, après, on en a mangé avec de la viande, du poulet, avec du fromage. On a testé pas mal dans les petits snacks. Donc, mais le meilleur, c'est quand même le Nutella. Actuellement, nous sommes à Laguna Blanca, dans le centre-est du Paraguay. Donc, c'est un petit lagon fort sympa, aménagé pour le tourisme. Donc voilà, à peu près, vous voyez à peu près comment on est. Donc, notre emplacement, en fait, c'est un... parking, mais comme on est hors saison, il n'y a personne, donc on est tout seul. Donc électricité, tout ça pour grosso modo 20 balles les 3 jours. Donc, et ce qui est drôle ici, c'est le taux de change 1 euro égale 7000 guarani. Donc c'est impressionnant quand tu vas retirer de l'argent au distributeur, c'est en millions, et quand tu vas faire tes courses, c'est en centaines de mille. Tu fais 50 euros de course, c'est 350 000. Donc ouais, c'est pas mal. Voilà. Donc voilà le site. Donc en pleine saison, ça doit être bien rempli. Mais nous, on est tout seul. Donc c'est vraiment
C'est vrai qu'il y a un petit avantage de voyager hors saison, c'est que ouais, voilà, t'es tranquille quoi. Après la météo, voilà, là on arrive à la fin de l'hiver donc ça va. Mais ouais, non, c'est sympa franchement. Là-bas au fond, vous avez des écolodges, car on est sur une réserve écologique ici. Là, c'est la maison des propriétaires. Là au fond, il y a un petit resto, un petit bar. Voilà. Et toujours ce concept comme au Brésil, pieds dans le sable, des petits bancs pour se poser dans l'eau quand tu vas te baigner. Des petits îlots sympas, beaucoup d'oiseaux, beaucoup de faune. Ça, c'est franchement sympa. Joli petit chemin qui sent bon la galette, la noisette. Non, ce petit chemin il nous mène à un emplacement de camping. On est dans une réserve naturelle. Ça s'appelle comment déjà? Parque Cerro Cora. Ah oui. Donc le parc Cerro Cora. Donc c'est une réserve naturelle, on espère voir des félins, des toucans, des tapirs. Bon, mais ça c'est dans nos rêves. Hein. À bientôt. Donc on est tout seul encore une fois. Donc c'est sympa. On a l'électricité, on a l'eau. Donc voilà. Le seul petit truc qui nous déçoit, c'est que normalement, il y a plein d'animaux. Donc, on les entend la nuit, mais alors la journée, c'est d'un calme. On n'entend même pas les oiseaux chanter. Ouais, pas un bruit, pas un bruit. Pas une bestiole qui vient nous voir. Donc, on est un peu déçus. Par contre, on est calme, hein, mais pas de réseau. Pas de réseau du tout. Thank you.
mon chéri. Tu as été délesté de quelques Guarani. On s'est fait racketter en beauté. Donc déjà, il m'a dit que j'avais pas mes lumières, alors que mes lumières étaient allumées. Donc, mais a priori, j'étais en feu de position, j'étais pas en feu de route, ça ne m'a pas plu. Après, il m'a pris mes papiers, il est parti derrière la voiture, il m'a dit de le suivre. Après, on s'est mis derrière la voiture, soi-disant qu'il faisait trop chaud. Et après, il m'a parlé argent liquide, du cash, Guarani, cuento tiene, combien tu as? Donc j'ai dit que j'avais pas grand-chose. Donc il m'a dit 200 000. Je dis quoi? Il dit 200 000. Bon bah ok. Donc il m'a délesté 200 000 Guarani, c'est-à-dire à peine 30 euros. Et pour que je lui donne l'argent, il s'est bien mis derrière la voiture, caché de ses collègues. Sympa quoi. Donc voilà, on est un peu plus léger. Ils ont tous les mêmes jogging. Ils reviennent du sport. My favorite song is playing in a Broadway bar. Then you walk in and you're all alone, the hottest in the room by far. And you look up and our eyes lock, and my heart falls straight out of my chest, baby. Your lips and your sweet smile, let me kiss it till I die. For the rest of our life, yes, you and me were meant to be. For the rest of our lives, drop your guard and take a ride with me. 'Cause you got what I want, oh, and I got what you need. For the rest of our lives, it's gonna be a done deal. Just wait and see. If you can't be strong.
ici, c'est des fans de maté. Ils ne boivent que ça. Et on les voit se balader avec ça. Donc le gobelet à maté et le thermos pour l'eau chaude. Donc le maté, pour être précis, c'est comme du thé, et ça a un peu le son des feuilles séchées qu'ils arrosent d'eau chaude. Pour ça qu'ils se promènent toujours avec leur thermos. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas fait une ouverture de porte comme ça. Voilà le spot du jour. Directement devant le lac d'Ipacaraí.
les amis. Et non, on n'est pas revenu en pays de Beauce, dans notre cher pays. On est toujours au Paraguay. Hein. Mais bon, le paysage fait beaucoup penser à notre chez nous. Après plus de 60 km de pistes de route pavée, nous voilà enfin arrivés. Et bien ça se mérite. Les chutes Nacundai en Guarani.